Après des décennies de déni sur ce sujet, comme sur tant d'autres qui ont accablé les salariés, on l'a rappelé récemment, cette maladie est dorénavant reconnue par tous ici. Mais peut-être la société elle-même continue à ne pas vouloir regarder en face ce qu'à présent chacun s'accorde à dire qu'il faut combattre. Le mot « burn-out » est presque une euphémisation. On dit en bon français « l'épuisement professionnel ». Le burn-out peut figurer comme une brève, mais qui supporterait que dans notre pays, des gens viennent à mourir de l'épuisement professionnel? Personne. Et s'il fallait rendre compte de toute la saveur du mot « burn-out » en anglais, pour le dire en bon français, on dirait les cramés du boulot. Cramés du boulot, à cause du boulot, dans le boulot, par le boulot. Or, le travail, avant d'être la torture qu'indique la Bible, est aussi un accomplissement. Et c'est à cet accomplissement que tous aspirent. Et c'est cela qu'il aurait refusé. Et voilà quelle est la première des souffrances dont on finit par mourir. Multifactoriel, allons. Qu'est-ce qui n'est pas multifactoriel? Toute l'existence est multifactorielle. Toutes sortes de causes conduisent à toutes sortes d'actes. Mais quand sommes-nous dispensés, en dépit du multifactoriel, de l'unicité de la décision? Et cela s'appelle la volonté. C'est cela qui est appelé aujourd'hui. Si vous aviez permis le débat, vous auriez amélioré cette loi si elle vous paraît imparfaite. Mais au moins, nous aurions pris aujourd'hui la décision qui compte de progrès social. Plus personne ne doit mourir au travail. Voilà ce que nous voulons. Eh oui, mal au boulot, mal à la maison, mal à la maison, mal au boulot. Tout le monde sait ça. Nous sommes des êtres humains et seulement cela. Et il serait bon qu'à cette heure, chacun d'entre nous s'en souvienne, au-delà de tout ce que la vie a pu lui conférer comme honneur de siéger ici, pensez à ceux qui vont mourir, et à ce moment-là, vous penserez juste. Pensez avec les pauvres, et vous ne serez jamais du mauvais côté. Voilà la leçon de philosophie politique à laquelle nous vous appelons. Voilà, nous parlons la seule langue que ces gens comprennent, l'argent. Ruffin a raison. Si on punit ceux qui abusent des autres, ils arrêteront d'abuser. Merci. Parce que c'est tout ce qu'ils comprennent.